Justement, la violence policière, mais elle a augmenté, mais un truc de malade. Mais un truc de malade. Tu vois, on te dit pas, on va te dire oui, il y a 4 morts à Strasbourg. D'accord? Toutes mes condoléances aux familles, que la terre leur soit légère, comme disent les Africains. Mais il y a aussi toutes les victimes des flics, ceux qui se sont pris des flashballs, des grenades qui ont explosé sur eux. Tu vois? Quand j'y étais le premier, il y a eu 3 morts. Il y a eu 3 morts. Pas très loin de moi. Ils n'en parlent pas dans les journaux, tu vois, mais après, il y a des gens sur Internet qui viennent me dire, oui, mais ça se saurait, ils en auraient parlé. Ah, mais comment ça, leur famille remue passer les terres pour que ça se sache, mais vous croyez qu'ils ne le font pas? Bien sûr, ils le font. Bien sûr, ils le font, mais ils sont muselés. Et tu sais, le temps que ça prend et tout. Ils le font, mais à part sur les réseaux sociaux, tu vois, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui a la chance tiens, de s'appeler David Ben, c'est d'avoir presque 4 000 amis sur Facebook ou d'avoir 1 000 et quelques amis sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que je suis artiste à la base, sinon j'aurais peut-être pas tout ça d'amis, tu vois, peut-être j'en aurais 15. Et il y en a justement, ils ont 15 amis, tu vois. T'as 15 amis sur Facebook, t'as ta grand-mère, elle est, tu vois ce que je veux dire? T'as 15 amis sur les 15, je sais pas moi, mettons, il y en a 8, tu les connais même pas, tu vois ce que je veux dire? Le reste, tu vois ce que je veux dire? Ben, t'as ta grand-mère qui est partie, je sais pas, dans une manif, elle s'est pris la joue dans la tête, et ben oui, tu vas remuer ciel et terre et tout, mais tu vas le dire à qui? Je sais même pas à qui t'adresser. Tu vas aller porter plainte, les keufs vont t'envoyer chier. Mais ça arrive à combien de gens? Tu vois? Ou alors même tu vas porter plainte, ils vont t'enfermer pour rebelles, des trucs. Parmi les gilets jaunes là qu'ils ont embarqué aussi, il y a des gens qui les ont embarqués comme ça, juste parce qu'ils avaient un masque dans la poche ou un gilet jaune sur le dos, ou qu'ils ont dit police avec nous, ils se retrouvent embarqués, ils se retrouvent tabassés. Parfois internés en psychiatrie, c'est arrivé. Depuis le premier, il y a eu des internements abusifs en psychiatrie, des emprisonnements abusifs. Tu vois, des mandats de dépôt, c'est pour rébellion. Je sais pas, moi, le mec qui te donne un coup de matraque, tu l'insultes, et voilà, rébellion, allez hop, on y ouvre. Tu vois le truc, quoi.